Cette semaine, notre pilote réalise des wingovers en autonomie sur une fin de vol avec une faible hauteur sol. Il réalise son premier quart de tour sur la gauche. Il relève les mains un petit peu trop tôt. On peut voir que le roulis vers la gauche n'est pas tout à fait fini. Puis il transfère son poids à droite au bon moment. Normalement, il aurait dû relever les mains en même temps que ce transfert de poids son action céleste est d'ailleurs ici très très bonne on peut voir notre pilote bien penché à droite avec une bonne inclinaison du bassin et la tête de l'autre côté de ses élévateurs de droite et d'ailleurs cette action céleste va permettre une très bonne remise à plat on voit bien qu'arrivé à la fin de la phase d'accélération la voile est bien à plat il n'y a pas de roulis parasite le feu est vert tous les paramètres sont OK pour lancer l'inversion à droite le pilote descend sa commande de droite, mais il oublie de tenir la pression dans le boudel extérieur. Et il va commettre une deuxième petite erreur en relâchant ses commandes trop tôt alors que la ressource n'est pas encore terminée. Sur cette image, il devrait être à son freinage maximum avec les deux commandes de frein. Résultat, la voile va fermer légèrement sur le boudel extérieur. Cette fermeture n'est pas vraiment problématique mais elle va déconcentrer un peu notre pilote. D'ailleurs, dans les consignes de sécurité, il est clairement dit qu'il vaut mieux renoncer à enchaîner les wingovers en cas de fermeture, et qu'il vaut donc mieux ressortir de la manœuvre. La voile va très rapidement s'ouvrir, et on peut voir sur cette image que notre pilote est penché à gauche, mais sans conviction. Il va d'ailleurs sembler revenir au neutre dans sa sellette. Et j'ai l'impression qu'il a décidé de renoncer à réaliser une inversion supplémentaire, ce qu'il serait sage de faire d'ailleurs. En effet, ce manque d'appui sallet à gauche ne va pas permettre de remettre la voile bien à plat. On voit que lorsque le pilote arrive en fin de phase d'accélération, il a conservé une bonne quantité de roulis à droite au moment où il faudrait déjà être en train d'inverser à gauche. Sur cette image, le feu est orange, c'est-à-dire que l'inversion n'est pas conseillée, il vaudrait mieux renoncer, sortir avec une ressource et contrôler la batterie. Le roulis n'étant pas très fort, on pourrait se permettre d'inverser tout de même, mais il va falloir réaliser une inversion avec beaucoup de freins, d'une manière bien dynamique, pour attraper ce roulis. Car une inversion avec du roulis inverse va faire beaucoup monter le pilote, ce qui va lui faire perdre beaucoup de vitesse et donc faire ramollir la voile. Malgré cette hésitation, notre pilote lance son inversion, mais il y va sans conviction, cela manque de frein. Le pilote devrait sentir les commandes se ramollir, notamment dans son bout extérieur, et il devrait freiner plus pour ne pas laisser ses commandes ramollir. Un peu comme en vol thermique lorsque l'on traverse des turbulences. Je demande au pilote de frais d'effort, mais il ne réagit pas. Résultat, la voile ferme d'une manière assez spectaculaire. Les suspens se détendent. Notre pilote réalise un petit plongeon. Et lorsqu'il arrive sous la voile, plus d'une moitié de voile est fermée à droite. Il faut donc craindre une mise en rotation. Le pilote devrait commencer déjà. À contrer sellette et commande à gauche pour ne pas se laisser embarquer dans une rotation involontaire. Là encore, notre pilote est un petit peu laxiste. La voile part sur un demi-tour de rotation, puis elle s'ouvre, et notre pilote n'a plus qu'à gérer une simple sortie de rotation avec une ressource, puis une petite abattée. Revoyons la scène au ralenti avec cette fermeture extérieure qui fait hésiter le pilote qui envoie tout de même, malgré un roulis inverse, le pilote qui manque de frein, la fermeture, le plongeon du pilote et le départ en rotation involontaire. Revoici la scène à vitesse réelle. Encore une fois, en Wingover, il est très important de savoir renoncer à la manœuvre.